Le concert de ce soir est particulier. Nous le préparons depuis longtemps. Il a subi des transformations ou adaptations diverses, sans changer d'objectif pour autant. Réunir nos amis, c'est-à-dire notre public et nos partenaires, pour fêter avec les bénévoles de l'association les 20 ans de Bourrards et Vins. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de ces magnifiques artistes. Je termine en souhaitant longue vie à Bourrards et Vins. Je vous remercie pour votre attention et maintenant que le spectacle commence. Mon père n'avait pas voulu me laisser entreprendre l'étude du piano, sans quoi il est fort probable que je fusse devenu un pianiste redoutable comme 40 000 autres. Un jour, je lus et je relis les partitions de Gluck, je les copiais, je les appris par cœur. Elles me firent perdre le sommeil, oublier le boire et le manger, j'en délirais. Et le jour où, après une anxieuse attente, il me fut enfin permis d'entendre Iphigénie en tauride, je jurai, en sortant de l'opéra, que malgré père, mère, oncle, tante, grands-parents et amis, je serai musicien. Sublimes compositions instrumentales de l'aigle Beethoven, que l'on voit la justesse de l'exclamation du poète « Ô divine musique !» Le langage impuissant et faible se retire devant tant de magie. Comment vous parler d'elle? Elle a de superbes cheveux noirs, de grands yeux bleus qui tantôt scintillent comme des étoiles, tantôt deviennent ternes comme ceux d'un mourant, quand elle est sous l'influence du démon musical. Elle est pianiste. Elle s'appelle Camille. Camille Mock.
la mer. La mer, l'espace libre, la grande lumière, la puissante végétation tropicale, la vie animale, le silence. Je sais ce que c'est que ces tohu-bohu qu'on nomme festival. Non mais, donner des concerts à Paris, c'est presque une humiliation. Pays de vieux barbares blasés. Ma passion pour la musique prend des proportions démesurées. Je me sens des facultés plus puissantes que jamais. Avais-je tort de m'inquiéter ? Camille épouse Pleyel. Non mais trahison ! Plus jamais je n'écrirai une note pour le piano, tu ne m'entends ? Plus jamais ! Pas même un concerto ! Verdi forever. Bien, nous avons à cacter ferme. J'ai eu avec Henriette Simpson une scène qui m'a noyé dans un bonheur sans mélange. Elle m'a compris, je ne la quitterai jamais, c'est mon étoile, on doit me la laisser. Vous perdez votre mère, votre sœur, la femme qui vous aimait, votre fille. De quoi vous plaignez-vous ? Vous avez près de Dieu un ange de votre connaissance. Vous avez désormais quelqu'un à qui parler dans le ciel. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères. Permets-moi de partager avec toi ce que je viens d'écrire au cher maître que tu connais. Paris, 10 septembre 1855. Mon cher Wagner, votre lettre m'a fait un bien grand plaisir. Sans doute que j'ai été nommé hier membre de l'Institut. Me voilà donc devenu un homme respectable. Je ne suis plus ni truand ni bohème. Arrière la cour des miracles. Non mais quelle comédie. Je ne désespère pas de devenir un jour pape.
Franz Liszt, lui, a joué la semaine dernière à la cour. Et hier, il a été nommé commandeur de la Légion d'honneur. Ah, mon vieux, quand on joue du piano... de mystification que pouvait être la vie. L'être humain a le choix, aimer et admirer ce qui est beau, les gens qui n'aiment pas et n'admirent pas sont les vrais mystifiés. Nous, nous avons le droit de siffler le grand mystificateur. Mourir maintenant sans amertume et sans colère, mais il faut que je sorte, que je marche, que je crie, que je cours au grand air. À ta santé, toi qui sais si bien dire que tout va s'arranger, qu'elle va me revenir, tant pis si tu es menteur, tavernier sans tendresse, je serai saoul dans une heure, je serai sans tristesse. Mais bon, à la santé des amis et des rires que je vais retrouver, qui vont me revenir, et tant pis si ces seigneurs me laissent tomber à terre, je serai saoul dans une heure, je serai sans colère. Je déclare donc ouvert le chapitre exceptionnel de la connétablie de Bourg en ce château de la Citadelle et je demande à Monsieur Hubert Gracia ainsi qu'à Madame Annie Menevrier de bien vouloir nous rejoindre.